Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Pourquoi on dit ça? C'est le game. Tu es focus sur les femmes. À quoi ça, tu n'as pas de game? Parce que si tu ne maîtrises pas le game social, tu ne peux pas maîtriser les femmes. Elles sont incontrôlables, bro. Elles sont incontrôlables, obligées, tu as fait tourner la manette. Parce que tu ne sais pas maintenir le game à long terme. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous, vos familles vont bien et tout. Aujourd'hui, vous parle de quoi? C'est quoi le game? C'est quoi le game en vérité? On parle du game, on dit si, le game, on dit ça, le game sort. C'est quoi en vérité le game? Qu'est-ce qu'on appelle game? Parce que c'est pas seulement les femmes. On se dit non, faut faire ci pour avoir la go, faut faire ci pour qu'elle agisse de telle manière. C'est le game, mais c'est pas entièrement le game. Le game, c'est tous les moyens que tu utilises pour avoir ce que tu veux dans cette vie-là. Tu comprends un peu? Pour ça qu'on parle de jeu social aussi. Avoir les femmes, c'est une partie du jeu social. Parce que les femmes sont un statut, un symbole de statut. Tu vois un peu? Voilà. Donc ça aussi, c'est le game. C'est une partie du game. C'est pas entièrement le game. Le game, c'est comment tu bouges dans la société. Le game, c'est comment tu agis pour avoir ce que tu veux dans cette société-là. C'est ça le game. En vérité, c'est ça le game. Comment tu fais pour avoir l'argent? C'est ça le game. Parce que il y a le game financier. Tu comprends un peu? Il y a le game de la société. Le game qui te fait monter d'échelon, qui te fait avoir du pouvoir. Parce que quand ils enseignent le game sur les femmes, ça te fait avoir le pouvoir sur les femmes. Ça te fait avoir, comprendre la psychologie féminine de sorte à ce que les femmes ne soient plus un obstacle pour toi et ta réussite. Mais aussi, il y a le game que vous donne sur la réussite. Le game que vous donne pour que vous soyez des hommes accomplis. Ça aussi, c'est le game en fait. Et c'est ce game-là que vous négligez. Pourtant, c'est ce game-là qui est le plus important. Parce que quand tu comprends le game, quand tu comprends comment être un homme, quand tu comprends comment avoir du pouvoir dans cette société, c'est inévitable que les femmes ne viennent pas vers toi. Parce que les femmes sont attirées par les hommes qui ont du pouvoir, frérot. Il faut que tu comprennes ça. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont du pouvoir. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont de l'argent. Donc comment on fait pour obtenir l'argent? Comment on fait pour avoir des relations qui nous mènent vers le haut? Comment on fait pour se mettre dans les bonnes situations, dans les bonnes pour flairer les bonnes occasions? Ça, c'est le game. Hier, il est en train de lire les 48 lois du pouvoir. Et on voit que c'est un livre, en fait. C'est un livre qui t'explique le game en long et en large dans cette société-là, frère. Je vous ai parlé la dernière fois de faire attention à ses amis. Ça, c'est le game. Mais vous négligez le game. Vous négligez le game. Vous négligez le vrai game. Parce que quoi? Quand tu as le pouvoir, quand tu as le pouvoir, tu peux faire plein de choses. Quand tu as le pouvoir, les gens viennent vers toi. Quand tu apportes de la valeur, les gens viennent vers toi. Ça, c'est le game. Tu ne sais pas attirer les personnes vers toi. Tu n'as pas de game. Parce que je vous dis, les personnes qui savent attirer d'autres personnes vers eux, c'est inévitable que les femmes ne s'approchent pas de toi. Tu sais attirer les hommes. Tu sais attirer les hommes vers toi. C'est facile d'attirer les femmes. Parce que la plupart des hommes sont en compétition. La plupart des hommes sont en compétition. Pourquoi? Parce que quand tu vois un ami qui a plus de succès que toi, quelque part ça te fait quelque chose. Si tu n'es pas quelqu'un qui a l'humilité d'aller demander, quelque part ça te fait quelque chose. Tu comprends un peu? Donc en quelque sorte, tu es en compétition avec un autre homme. Mais parce que tu n'as pas de game, tu fais que hate. Parce que tu n'as pas de game, tu fais que le jalouser. Parce que tu ne comprends pas comment le game fonctionne. Tu ne comprends pas que si tu t'associes à cet homme-là, tu vas avancer. Tu ne comprends pas que si tu t'associes à cet homme-là, il va te montrer comment faire tant, comment faire ci, comment faire ça. Il va te montrer comment il a acquis tout ce qu'il a. Tu n'as pas de game. Tu n'as pas de game. Tu ne comprends pas que pour avoir certaines choses, si tu es en conflit avec telle personne, tu peux t'allier avec un de ses ennemis pour avoir ce que tu veux de lui. Tu comprends pas ça. Tu comprends pas ça. Pourquoi on dit que les ennemis de mes ennemis sont mes amis? Pourquoi on dit ça? C'est le game. Tu es focus sur les femmes. À quoi ça, tu n'as pas de game? Parce que si tu maîtrises pas le game social, tu peux pas maîtriser les femmes. Elles sont incontrôlables, bro. Elles sont incontrôlables, obligées, tu as fait tourner la manette. Parce que tu sais pas maintenir le game à long terme.
Tu ne sais pas jouer le game à long terme. Tu joues à court terme. Tu penses à court terme. C'est ça. Tu n'as pas de game. Améliore ton game maintenant. Quand je poste des vidéos sur comment avancer là, je veux que tu viennes regarder. Parce que tu ne regardes plus les vidéos sur les femmes. Frère, les femmes sont simples. C'est toi qui es compliqué. Les femmes sont simples. C'est toi qui es compliqué. Pourquoi tu es compliqué? Parce que tu durcis ton oreille au bon game que je te donne. Il faut que tu restes un élève. Il faut que tu restes un élève. Parce que moi, je suis toujours un élève. Je suis toujours prêt à écouter. Je suis toujours prêt à prêter l'oreille, en fait, quand il y a une connaissance qui est en train d'être lâchée. Pourquoi? Parce que je vais améliorer mon game. Plus tu écoutes, plus tu apprends. Plus tu apprends, plus tu peux donner aux autres. C'est le game. C'est le game. Le game, c'est de la fermer souvent et d'écouter les autres. Le game, c'est de savoir que je ne sais pas tout. Il ne sait pas tout. Le game, c'est de savoir que même un enfant peut t'enseigner quelque chose. Le game, c'est de savoir que dans certaines situations, il faut que je reste humble. Le game, c'est de savoir que malgré comment je m'élève, il faut que je reste humble. C'est le game. Le game, c'est de savoir que tu n'as pas parlé mal à toutes les femmes. Le game, c'est de savoir que tu n'as pas couché avec toutes les femmes. Parce qu'une femme aussi peut t'aider à faire quelque chose. C'est le game, frère. Améliore ton game. Améliore ton game. Arrête de te focus sur toujours comment avoir les femmes, comment avoir les femmes, comment avoir les femmes. Cherche le pouvoir, les femmes vont chercher comment t'avoir. Vous cassez la tête, les gars. Vous cassez la tête. Comme la dernière fois, les gars me disaient non. Les gars me disaient comme ça que non, tu peux pas. La vidéo que j'ai postée où je disais que n'approche pas les femmes, il y a des personnes qui me disaient comme ça que non, Dave, tu peux approcher les femmes, que non. Je sais que je peux approcher les femmes. Je sais que je peux approcher les femmes. Vous pouvez approcher les femmes. C'est personnel. Pourquoi je dis que je ne fais pas ça? Parce qu'il y a une meilleure technique pour que les femmes m'approchent. Pourquoi me fatiguer quand il y a la technique pour qu'elles m'approchent? Pourquoi me fatiguer quand il y a le game pour qu'elles m'approchent? Pourquoi mettre tant d'efforts à partir vers elles pour leur parler quand il y a la technique pour faire qu'elles me parlent, pour faire qu'elles me courtisent, pour faire qu'elles me courent après? Pourquoi? Pourquoi me fatiguer? Pourquoi avoir 2 millions avec 2 mains quand tu peux avoir 2 millions et 1 main? Tu vois? Voilà, sinon c'est pas interdit d'approcher les femmes. C'est pas interdit d'approcher les femmes. Il y a des femmes qui te plaisent, que tu approches. Tu appliques ton game. Tout ça c'est le game. Le game, n'est pas quelque chose de droit, frère. Le game c'est pas quelque chose de droit. C'est pas une ligne droite où tu dois suivre. Le game s'applique en fonction des circonstances. Parce que je peux te dire que telle femme, faut pas l'approcher, mais une autre femme va te dire faut l'approcher. Ça dépend des circonstances. C'est pour ça que ce que je te donne, c'est pas linéaire. Il faut pas que tu comptes sur ça. Tu dis donc, à chaque situation je dois appliquer ça. À chaque situation là, non, non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, bro. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut que tu saches que à telle situation, il y a telle chose. Pourquoi je peux pas? Pourquoi toutes les personnes me ramènent toujours d'autres questions? Parce que dans leur situation, il y a toujours un petit cas particulier. Il y a toujours un petit cas particulier que l'autre n'a pas dans sa situation. Pourtant, c'est les mêmes femmes. Pourtant, souvent, les situations sont presque similaires. Mais lui, dans sa situation, elle lui a parlé mal. Mais l'autre, dans sa situation, elle lui a pas parlé mal, mais elle a ignoré. Tu vois un peu? Mais si tu veux appliquer le fait de l'ignorer aussi dans les deux situations, tu vas voir que tu vas pas avoir les mêmes résultats. Parce qu'il y a un petit truc qui est différent. Tu comprends un peu? Le game, c'est de savoir que les connaissances que Dave nous donne, c'est pas partout on applique. Le game, c'est de savoir que Dave peut se tromper. Donc là, il faut que moi aussi, je puisse juger de ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Il y a des personnes qui viennent ici, ils disent que non, c'est un maître avec ses élèves. Non, je suis pas un maître avec ses élèves, c'est un frère avec ses frères. C'est ça. C'est un frère avec ses frères qui parle. Il y a des personnes qui me corrigent en commentaire. Je suis toujours prêt à écouter. Je suis toujours prêt à écouter. Je suis toujours prêt à revenir sur mes dits parce que je suis pas, je suis humain comme vous, je me trompe. C'est le game. Parce que si je fais pas ça, je vais pas avancer. Parce que si je n'apprends pas de vous, je vais pas avancer. Parce que tu peux, je peux t'apprendre le game sur les femmes. Tu peux m'apprendre le game dans les finances. Tu peux m'apprendre quelque chose. Il y a des gens qui ont des expertises en bâtiment. Il y a des gens qui ont des expertises en bâtiment. Il y a des gens qui ont des expertises en automobile. Ils peuvent t'apprendre quelque chose sur ta voiture que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt à écouter. C'est ça le game, frère. C'est ça le game, frère. La fermer et écouter. La fermer et écouter. Poser des questions. Tu n'es jamais stupide quand tu poses des questions, frère. Tu n'es jamais stupide. Ou bien tu es stupide pour 2 minutes, mais après ça, tu as une connaissance à vie. C'est ça le game. Arrêtez d'avoir honte. Poser des questions, c'est ça le game. C'est ça le game.
Le truc qui nous freine, c'est quoi? Le truc qui nous freine, c'est que on a peur, en fait, de la réaction des gens quand on pose des questions. En vérité, c'est ça. On a peur de la réaction des gens quand on pose des questions. Parce qu'on se dit, non, d'autres personnes vont se moquer de nous. Frère, ils vont se moquer de toi pour une minute. Mais la connaissance que tu vas avoir va te servir toute la vie. Libérez-vous du regard des gens. C'est le game. C'est ça le game, les gars. C'est ça le game, mes frères. C'est ça le game. Je ne connais pas tout. Sachez que je ne connais pas tout. Sachez que je suis toujours un élève. Je suis toujours en train d'apprendre. Voilà. La dernière fois, je parlais à mon gars. Il me disait comme ça que non, moi, je veux faire comme toi. Je veux faire comme toi. Je lui dis non, frère. Je lui dis non, frère. Peut-être que moi, je fais le business en ligne. L'esprit que je veux réveiller en toi, c'est le businessman en toi. Je ne veux pas que tu fasses le même business que moi. Parce que je peux faire un business de vente de poulet. Je peux faire un business en ligne. Je peux faire un business dans l'agroalimentaire. Et puis, ça va marcher pour moi. Mais tu peux faire un business dans le sport qui va marcher pour toi. On est tous les deux des businessmen, mais pas dans le même domaine. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas chercher des livres aussi et venir me les conseiller? On est tous les deux les lecteurs. Mais il y a des livres que toi, tu lis, que moi, je n'ai pas lu. Tu m'apportes quelque chose. Il y a des livres que moi, je lis, que toi, tu n'as pas lu. Ça t'apporte quelque chose. C'est comme ça. On échange des connaissances. On échange ce que l'un et l'autre n'a pas. On échange ça. C'est ça le game. Savoir s'entourer des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose. C'est ça le game. Savoir utiliser des personnes pour t'aider à arriver à un certain niveau. Ça, c'est du game, frère. Le game, c'est pas seulement les femmes. Le game, c'est pas seulement les femmes. Et si tu es bon au game social, si tu es bon au jeu social, tu vas voir que facilement les femmes vont t'approcher. Tu vas voir que facilement les femmes vont t'approcher. Parce que les femmes aiment les hommes qui ont la connaissance. Les femmes aiment les hommes qui ont confiance en eux. Comment tu cultives cette confiance en toi là? Quand tu connais beaucoup de choses, naturellement tu as confiance en toi, frère. Quand tu es cultivé, naturellement, tu as confiance en toi. Parce que tu sais que cette femme-là, je peux lui apprendre quelque chose. Tu sais que cette femme-là, si elle ne sait pas cuisiner, je peux lui apprendre à cuisiner. Tu sais que cette femme-là, si elle ne sait pas danser, je peux lui apprendre à danser. Tu sais que cette femme-là, je peux lui apprendre comment faire de l'argent. C'est du game. C'est du game. Pas forcément une go avec qui tu as les rapports intimes. Pas forcément ça. Tu peux prendre une femme qui est ton amie et lui apprendre quelque chose, frère. Tu peux prendre une femme qui est ton amie et lui apprendre quelque chose. Et cette femme-là te sera loyale amicalement toute une vie. Comprenez aussi que les femmes ont souvent cette loyauté-là en elles. Elles ont souvent cette loyauté-là en elles. Quand tu leur apprends quelque chose, tu leur montres quelque chose qui leur bénéfique. Elle est là, elle est avec toi, elle est loyale en tant qu'amie. Vous n'avez jamais vu ça? Personnellement, quand il y a là à l'université, il y avait une amie comme ça avec qui elle traînait. On échangeait des connaissances. On est devenus très amis. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Tu comprends un peu? Tout ça là, c'est le game. Si tu te focalises seulement sur avoir des femmes, avoir du sexe avec les femmes, obtenir que du sexe avec les femmes, prendre ce que tu veux avec les femmes, ça va pas marcher. Le game, c'est savoir donner aussi. Le game, c'est savoir donner. Savoir donner parce que quand tu donnes, l'univers te récompense. Quand tu donnes, l'univers te récompense. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Souvent, toi, tu donnes une banane à un enfant démuni. Mais tu peux recevoir une voiture juste à cause d'une banane que tu as donnée. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas la valeur. Tu ne sais pas ce que ça a représenté pour cet enfant-là quand tu lui as donné sa frère. C'est ça le game. C'est ça le game. Parce que de la même manière, la banane que tu as donnée à cet enfant-là lui a sauvé la vie. C'est comme ça que quelqu'un peut venir te sauver la vie avec quelque chose dont tu avais besoin. Peut-être c'est 10 milliards de dollars. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi. C'est parce que tu as posé un acte il y a des années. C'est parce que tu as posé un acte il y a des années. Mais c'est comme ça aussi quand quelque chose de mal t'arrive, tu sais pas pourquoi. Mais souvent tu as posé de mauvais actes dans le passé. Tu sais pas pourquoi ça t'arrive. Mais il y a des raisons. Tu comprends un peu? Donc faut toujours savoir bien te positionner. Faut toujours savoir jouer. Faut toujours savoir faire le bien autour de toi. De sorte à ce que ce game-là, en fait, te revienne toujours de manière bénéfique, en fait. C'est comme ça le game, frère. C'est ça le vrai game. C'est ça le vrai game. Le game, c'est pas de savoir, non, telle femme, je joue avec son cerveau. Frère, on sait jouer avec le cerveau des femmes. On sait jouer avec le cerveau des femmes. Mais c'est pas ça seulement un homme. C'est pas ça seulement un homme. Un homme, c'est comment il bouge dans la société. Quelle valeur il apporte aux gens. Comment il transforme la vie des gens. Il y a plus de succès à savoir que tu as aidé des personnes.
y a plus de succès à savoir que tu as aidé des personnes. Quand vous m'envoyez des messages, vous m'envoyez des trucs pour me dire que non, vraiment tu as changé ma vie, vraiment tu as changé. Mais man, ça me fait plus plaisir que d'avoir votre argent en vérité. Pourquoi? Parce que ça me fait me sentir bien dans ma peau. Je sais que je suis utile à ma société. Je sais que je suis utile dans ce monde-là. Je ne suis pas inutile. Tu ne peux pas comprendre le plaisir que j'en tire en fait. C'est ça le game. C'est ça le game. Le game, c'est pas seulement de chercher les femmes. C'est pas seulement de tourner derrière les petites, fatiguer les petites. Bro, tu perds ton temps. Parce que quand tu commences à vraiment comprendre le game, je te donne un secret. Quand tu commences à vraiment comprendre le game, à comprendre la psychologie féminine, tu vois que c'est tellement simple que Joe, c'est mieux vers partir vers quelque chose qui est encore plus difficile en fait. Parce que l'homme a cette nature de conquérant là. Quand il a conquis quelque chose, il cherche à conquérir quelque chose d'autre. Tu comprends un peu? Ça, c'est la nature humaine aussi. Apprends le game, frère. Apprends le game, frère. Ne reste pas bloqué dans des trucs qui, dans des trucs bizarres. Des femmes, des femmes, des femmes. Non, il y a plus que ça. On a déjà l'esprit de l'alpha. On a déjà la red pill. Il y a la vie après ça, frère. On a déjà la red pill, il y a la vie après ça. Qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là? Il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on avance. C'est ça le game, frère. On est ensemble, les gâtons. Buvez l'eau, non? Voilà, ce soir même, il n'y a pas d'eau, c'est le jus. En tout cas, buvez l'eau. Voilà, ton. Peace, les gars.